fait quelque chose d'assez simple, enfin, en termes de volumétrie, mais très ouvert au sud pour bénéficier des apports solaires, et puis plutôt fermé au nord, côté rue, avec un espace tampon très important pour la maison, espace de transition entre l'espace, enfin le domaine public et l'espace privé. Très lumineuse et une espèce de parcours qui se fait dedans qui est assez surprenant. En fait, quand on ouvre la porte, et ben, on arrive dans un monde un peu c'est leur monde à eux et ça leur ressemble vraiment. Je crois que c'est une maison où on aimerait bien vivre nous aussi. Ce qui la rend unique, c'est sa peau, tout en tuiles. Une tuile un peu particulière en plus, parce qu'elle est moulée à 8 facettes. Et elle a une teinte appelée argentique, qui fait qu'elle renvoie la lumière aussi très différemment tout au long de la journée. Donc elle a une peau un peu spéciale. Elle ressemble parfois à un serpent. Vraiment, ça change toute la journée, c'est très très graphique. Ouais, là où on pourrait être aussi assez satisfait, c'est d'être arrivé à poser ce matériau partout sur la maison. C'est-à-dire qu'on a un seul matériau de façade, de toiture, on n'en a pas deux, on n'en a qu'un. Il fallait que ce soit un matériau assez noble et assez chic aussi, et qui est forcément inspirant. Un petit moule va nous donner des formes un peu organiques assez facilement. Un grand moule va nous donner plus des formes simples et monolithiques. On peut jouer aussi beaucoup avec chaque modèle de tuile. C'est un produit qui est résolument moderne dans ses formes, moderne dans ses coloris. Hein. Si on regarde, rien qu'en France, il y a plus de 250 formats différents de tuiles, plus de 400 couleurs disponibles pour les architectes et les couvreurs. L'innovation de cette, on va dire, cette grande peau extérieure participe à la construction d'une belle spatialité intérieure. Donc la peau et les os, on va dire, communiquent bien dans ce projet.